tous, c'est Caroline. Bienvenue sur la chaîne Carolie Angel. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. En fait, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo unboxing en partenariat avec la société SG Normal. Donc, c'est la quatrième collaboration qu'on a ensemble. Donc, je les remercie énormément de leur grande générosité et de leur confiance, encore une fois. Et ils ont repris contact avec moi. Je vais aller voir dans mon carnet. Donc, ils ont repris contact le 30 octobre et j'ai fait ma sélection la même journée. Ils m'ont confirmé la même journée aussi. Et j'ai reçu le 10 novembre. Donc, ça a pris 11 jours au total pour recevoir le colis. Donc, c'est extrêmement rapide. Donc, ils m'ont accordé un budget de 15 à 20 $ US. Donc, on va aller voir ça ensemble. C'est un gros colis, hein. Vous allez voir, là, quand j'ai vu ces petits modèles, j'ai complètement craqué. Et il s'avère que celle-là, je ne sais pas pourquoi, mais elle est beaucoup moins chère que les autres. Mais pourtant, c'est le même format. Vous allez voir, là, je leur ai mentionné d'ailleurs aux vendeurs, comme quoi que je pensais que les prix étaient correct, mais non, finalement, il me dit que les prix sont bons, donc profitez-en si jamais vous avez envie d'une bonne valisette. Ah ben, je vous dis, là, je vous ai dit ce qu'il y avait à l'intérieur, mais si vous avez besoin d'une bonne valisette, vraiment pas chère, allez-y sur FG Normal, elle est vraiment, vraiment pas chère, là. Donc, c'est ce modèle-là ici que j'ai choisi. Donc, c'est un petit chien. Donc, vous savez, moi, les chiens, j'adore, hein? J'adore complètement. Donc, j'ai choisi ce modèle-là ici. Donc, on va aller voir ensemble ce qu'elle comporte. Donc, ça vient dans un papier transparent comme ça ici. Donc, il y a plusieurs modèles, hein, comme ça. Il y en a un, c'est un chat. Il y en a un, c'est un tigre. Il y en a un, c'est un petit cochon. Il y a le chien. Et je pense que c'est ça. Ouais, je pense que c'est tout. Mais c'est ça, il y a plusieurs modèles avec des couleurs différentes, là, ici, à l'arrière. Donc, oh, elle est vraiment trop mignonne. Regardez-moi ça. Donc, c'est tout doux sur le dessus. Vraiment, tout, tout doux. Ici, c'est... Il y a une petite poignée sur le dessus. Vous voyez ici. Et on a double zip ici. Donc, on va aller l'ouvrir. Et voilà. Donc, on a 70 pots au total dans cette valisette-là ici. Donc, quand même, je trouve que 70 pots, là, c'est amplement suffisant pour les grosses toiles qu'on fait normalement. Donc, même, c'est plutôt rare qu'on voit une valisette à 70 pots. Donc, d'habitude, c'est 60 pots ou 80 pots, mais 70... C'est la première fois que j'en voyais une à 70 pots. Donc, les pots sont comme ça ici. Donc, c'est des quand même bons formats. Hein. Si je compare à ma valisette Ardot. Oups. Si je compare à ma valisette Ardot, ils sont un peu plus hauts. Un peu plus hauts. Et mais sensiblement de la même grosseur. Mais je dirais que c'est pas mal similaire. Au petit pot de chez Ardot. Donc, des bons petits pots, ça, moi, j'adore ces petits pots-là ici. Je ne jure que par ces valisettes-là. Quand je fais mon diamond painting. Ouais. Donc, on va calculer. Ici, on en a 6, 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on a bien 70 pots au total. Désolée, hein, vous entendez sûrement mon chien à l'arrière. Elle est partie à japper, là. Donc, on a des squishies. On en a 4 au total. Donc, mauve.
on a ici un petit, une petite enveloppe comme ça qu'on peut ranger comme tous nos accessoires. Comme là ici, on pourrait y ranger nos squishies. Ça ici. On a des étiquettes rondes. Donc, on en a combien? 1, 2, 3. On a 96 petits autocollants comme ça ici. Donc, on en a en masse pour faire nos petits pots. Donc, ça vient avec un petit kit comme ça ici, en plus. Donc, on va aller voir. Donc, on a une pince ici qui ne pince pas grand-chose, par contre. Là. Ça, je le garde pas. Souvent, je la jette, en fond. mais elle mérite d'être là. Si jamais vous avez besoin, elle est là. Donc, on a ici des stylets avec des embouts différents. Donc, ça, c'est un 6, un 9, un 6 aussi et un 3. Avec, de l'autre côté, des embouts simples. Donc, des beaux stylets mauves, hein, sont magnifiques. Donc, on va tout mettre dans la petite enveloppe ici. Ça. On a des sachets zip. On va le mettre aussi là-dedans. On a des barquettes mauves. Donc, on en a deux. Comme ça ici. On a une autre barquette mauve. Comme ça ici. Elle est très belle. Ça. On a 10 pains de cire comme ça ici, mauve. Ici, un entonnoir. On va aller l'ouvrir. Donc, moi, je trouve ça un peu trop étroit, le trou, mais bon. Peut-être plus pour les diamants ronds, mais les diamants carrés, j'ai peur que ça reste un peu plus coincé. Mais c'est un entonnoir de très bonne qualité. Là. Le plastique, le silicone est assez épais. Donc ça, vous avez un entonnoir en plus. Et vous avez aussi une raclette. Donc j'en ai une de plus. Donc ça, on n'en a jamais de trop. Hein. C'est génial. D'ailleurs, on peut mesurer notre toile. T'sais, si jamais vous voulez vous faire des sections pour votre toile. Ici, sachez que la grandeur, c'est 10 cm. Donc, moi, ce que je fais, je mesure comme ça, là, 10 cm. Bon, OK, je fais toute ma bande, 10 cm. Et, non, c'est... Puis, pour replacer le film plastique, c'est génial. Donc, déjà, pour tout ça, c'est merveilleux. Donc, il y a tout ça d'inclus dedans. Plus les petites étiquettes. Ça. Et voilà. Et je vais vous mentionner le prix. Ah, oh, mais je vais vous montrer aussi peut-être. Donc, c'est quand même un bon format. Hein? Je vais la mesurer vite, vite, là. Donc, elle mesure à peu près, si on regarde les dimensions plus larges, 31 cm. Par 24 cm. Puis la hauteur, environ presque 8 cm de hauteur. Ça. Donc, c'est un bon petit format fort pratique. Donc, de l'autre côté, on n'a pas le dessin, hein, par contre, mais on a ici sur le dessus. Donc, le beau petit chien. Et cette valisette, je vais vous montrer le prix. Là, c'est incroyable comment que c'est vraiment pas cher. Normalement, elle se vend 47,90 canadiens. Et celle-ci, elle était au prix de 27,36 canadiens. Donc, on parle de 20 $ de différence canadien. Pour une valisette de 70 pots, je trouve que c'est vraiment, mais vraiment pas cher du tout. Donc, si jamais vous avez besoin d'une bonne valisette et que vous ne voulez pas payer une fortune,
Ben, ça ici, ben c'est ce modèle-là, que ce modèle-là, le petit chien. Les autres, ils sont vraiment 47 et 90 canadiens. Je sais pas pourquoi celui-là est 20 piastres moins cher, mais ça vaut la peine de opter pour celle-ci. À moins que le prix change là, éventuellement. Mais j'ai regardé tantôt encore et le prix était encore à 27,80. Comme j'ai dit, 26, 27 et 36 canadiens. Donc, profitez-en le temps qu'elle est à ce prix. Donc, et voilà. Donc, c'est pas mal ce qui conclut ma vidéo d'unboxing. Donc, je remercie encore une fois la société FGN Normal pour leur grande générosité et de leur fidélité à la chaîne également. Ce qui conclut ma vidéo. Donc, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Moi, ça a été un réel plaisir de vous montrer cette belle valisette-là ici. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique. Comme je vous dis, ça vaut la peine. Si vous avez besoin d'une valisette, elle est vraiment, vraiment pas chère. Mais c'est seulement ce modèle-là ici. Donc, je remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup la société FG Normal pour leur grande générosité et leur confiance. Je vous remercie, vous également, d'avoir regardé la vidéo. Et donc, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo si vous avez aimé et également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, moi, sur ce, je vous fais de gros, gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Merci. Bye bye.